Tout commence le 21 décembre 2018, quand je décide de couper mes cheveux. Alors, voici exactement ce qui s'est passé. Je regardais mes cheveux et je me disais, voilà 2019 qui arrive. Je ne veux vraiment pas de tracasserie, quelque chose qui va me ralentir, me retenir, car cette année, c'est une très grande année pour moi. J'ai de grandes ambitions, j'ai des objectifs à atteindre et je ne veux pas passer mon temps à essayer de laver mes cheveux, les natter. C'est vrai que j'avais des doutes, je n'étais pas sûre si je voulais vraiment le faire. Comme toute personne a des doutes dans la vie, vous voyez, dans la vie, on a souvent des doutes, on se demande, est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose? On a des doutes, on a des peurs et ce sont ces peurs-là qui nous retiennent souvent à faire certaines choses. Et là maintenant, vous allez voir à quel niveau j'avais peur car je ne faisais que toucher mes cheveux, je faisais que ralentir, je me demandais dois-je vraiment le faire? Est-ce que je veux vraiment le faire? Ah ouais. Et finalement, je décide de le faire. Et comme vous pouvez voir là, j'attrape finalement quelques bouts de cheveux et voici où l'acteur meurt dans son propre film. Boum! J'arrivais pas à le croire. J'ai coupé mes cheveux. Je n'arrivais pas à regarder mon visage, regarder l'expression sur mon visage. La surprise elle-même me frappait au visage. Mais vous savez quoi? Je me suis sentie bien. Après avoir fait cela, je me suis dit, ok, au moins j'ai déjà la force de le faire. Au moins j'ai déjà le courage de le faire. Et là, je regardais mes cheveux. Je n'arrivais pas à le croire. Les cheveux que j'ai tant travaillé aussi dur pour faire pousser. Vous-même, vous l'avez vu. J'ai travaillé très dur pour les faire pousser. Je les entretenais autant que je pouvais et tout. Mais il était temps de me débarrasser de certaines choses car je ne veux pas être esclave de quoi que ce soit mes cheveux, que ce soit le matériel, que ce soit n'importe quoi que j'ai sur moi. Je ne veux pas être esclave de cela. Alors j'ai décidé de couper, comme vous voyez là, je faisais que couper, je faisais que couper. En même temps, j'avais des petits doutes, comme vous voyez, et je faisais que pleurer, tirer mes dents. Je me disais, oh mon Dieu, I can't believe this. Ah, mais je le faisais quand même. Et pour finir, je suis allée dans un salon de coiffure. Et j'ai laissé que mon coiffeur m'arrange bien les cheveux, qu'il me taille bien les cheveux, qu'il me rende un peu plus jolie, plus sexy et tout. Et puis voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a taillé mes cheveux et j'arrivais pas toujours à le croire. Je me demandais ce qui m'arrivait, mais je savais que c'était pour une très bonne cause. Et voici à quoi mes cheveux ressemblent maintenant. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Je me sens à l'aise, je me sens légère, je me sens bien. C'est-à-dire, je me baptise tous les soirs dans ma propre salle de bain, je prends mon bain. Je suis tellement bien dans ma peau. J'ai l'impression d'avoir des ailes. J'ai l'impression que je n'ai plus quelque chose qui me retient. Car avoir les cheveux aussi, c'est comme un travail, hein, croyez-le ou pas. C'est comme un travail et voilà, il faut donner du temps, de l'attention et tout. Donc, je me sens vraiment bien et légère. Je ne vous encourage pas à aller couper vos cheveux, mais c'est juste pour vous dire que dans la vie, parfois, on a des peurs et nos peurs nous retiennent à faire certaines choses qui sont peut-être bien pour nous. Alors, j'ai affronté l'une de mes peurs. Je me suis dit, voilà, ce sont juste des cheveux. Et voilà l'histoire de mes cheveux, mes amours. Rejoignez-moi sur Instagram, Belle Bijou Officielle. Je vous aime tellement. Bonne année encore et on se dit à très bientôt. Bisous. Bye bye.